commencer la séance du conseil municipal, donc je vous prie d'excuser M. le maire qui est en retard, qui est bloqué dans les bouchons. La dernière nouvelle, il était à Saint-Pierre-Ténard, Saint-Pierre-du-Péré, je crois. Je pense qu'il sera là avant la fin du conseil municipal. Donc on va démarrer, je vais procéder à la lecture des pouvoirs. Donc M. Henri de Mérignac qui donne le pouvoir à M. Dominique Gastrin. M. Philippe Espil qui donne le pouvoir à Laurent Brunstenbrook. Madame Martine Bachelet qui donne le pouvoir à M. Herrero. Françoise Bétins qui donne le pouvoir à Mme Fournier. Madame Joudani Aberkan qui donne le pouvoir à Mme Ginette Moreau. Madame Véronique Coquin qui donne le pouvoir à Mme Singh. Olivier Jacob qui donne le pouvoir à M. Reyes. Christophe Grimacros qui donne le pouvoir à M. Masson. Et M. Herbillard qui donne le pouvoir à Mme Baudet. Et M. Jean-François Chalot qui donne le pouvoir à Colette. Et sur les propositions, nous avons M. Lionel Dufidour qui donne le pouvoir à Claudie Frassola. Et Mme Baranès qui donne le pouvoir à M. Bordeaux. Je crois que nous avons le quorum de peu, je crois, mais on va le voir. Alors, nous allons désigner un secrétaire de séance. Bon, j'ai vu que Patricia est arrivée. Donc, c'est moi qui suis puni. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, secrétaire de séance. Madame Bouchon. Donc, nous allons commencer, donc, désigner un séance. Nous allons commencer le conseil municipal, donc, par la délibération numéro 1. Donc, je vais me donner à moi-même la parole. C'est la décision modificative du budget communal. Donc ça concerne la décision modificative numéro 3. Donc on peut suivre la liste des dépenses. Hein. Donc sur le chapitre 011, vous avez deux articles. Donc c'est classique, hein, ce sont toujours des investissements, ce sont des transferts de fonctionnement en investissement, principalement pour les scolaires. Donc ça concerne un ordinateur, des tapis de sol, un meuble bibliothèque et deux vidéoprojecteurs. Donc pour un montant de 5061. Donc on est à moins 5061. Sur le chapitre 012, nous avons 9770. Ce sont des agents de sécurité buissonnière et d'un marge de champ qu'on a utilisé hein, pour surveiller ces accueils. Pour 9770, nous avons 12704 euros. Alors c'est un agent à microthérapeutique. Oui, donc en fait, vous savez qu'au bout de 3 mois, systématiquement, l'agent est payé à 50%. Mais si les experts déclarent en longue maladie, effectivement, il est payé à 100% sur une année complète. Donc en fait, on attend toujours l'avis médical. L'avis médical est arrivé, donc rétroactivement, on est obligé de rembourser les 50% du mois écoulé. Donc pour un montant de 12 707 euros. Je crois que nous ne sommes pas assurés sur la longue maladie, nous sommes en partie de rôle aussi sur la longue maladie. Nous avons 5 000 euros, ce sont des astreintes neige. Alors donc c'est une mise à jour hein, par rapport au mois de janvier où les techniciens ont dû sortir. Après, nous avons les remplacements au niveau des ACF et des agents d'entretien. Nous avons dû effectuer les remplacements au total pour 23 100 euros. Vous voyez que tous les qui sont absents, on est obligé de les remplacer. Et c'est pareil, nous sommes notre propre amour. Donc, nous payons deux fois. Nous avons 4 100 euros, c'est un apprenti service communication. On l'avait délibéré, hein, c'est un emploi qu'on a pris. 3 330 euros, 1 750 euros et 2030, ce sont des cotisations de caisse de retraite. Pareil pour 2250. Alors, 2250, c'est la validation des services. Vous savez que quand un contractuel a travaillé dans une collectivité, il a la possibilité de racheter les points de retraite. Donc, c'est ce qu'il fait. Ils sont obligés à part égale, puisque l'agent paye aussi sa part. Hein. Nous avons après 230 et. Moins 9770, c'est le transfert de crédit au compte 6212. Donc au total sur les 012, nous avons 59 314 euros de dépenses. Sur le chapitre 67, nous avons 7200, donc c'est un conflit qu'on a avec un agent, donc on a provisionné 6 000 euros, et puis il nous demande 6 000 euros de dommages. C'est en cours.
sur le. Nous avons 3000 euros d'indemnité d'éviction de. Anaïs, c'est l'atelier couture, donc on verra la délibération un peu plus tard. Et puis nous avons donc en chapitre 67 un virement à la section d'investissement de 5061 euros, ce qui fait un total de dépenses en fonctionnement de 69 514 euros. Donc si on prend les recettes de fonctionnement, nous avons 8 673, c'est du fonds de compensation du supplément familial. Et nous avons 25 156 dans le chapitre 70, qui est le remboursement des frais d'énergie de la zone industrielle. De la zone industrielle de la justice. Vous savez qu'après le transfert, on arrive aujourd'hui à refacturer l'énergie et l'entretien des candélabres à la communauté. Donc pour un montant de 25 036. Dans le chapitre 74, nous avons 2428, c'est le département, subvention du département pour le collège et cinéma, l'opération collège et cinéma. Et voilà notre maire. Et nous avons 5000 euros de subvention. Et pour le chapitre 77, nous avons un montant de 28 252 qui concerne le remboursement des sinistres pour les gens du voyage. Donc nous avons refacturé de la consommation d'eau et refacturé certains dégâts pour un montant total de 28 253. Donc ce qui fait en recette de 69 514 euros. Et donc nous avons une section de fonctionnement équilibré. En dépenses d'investissement, on recouvre les 5061 euros, donc c'est le transfert de la section de fonctionnement en section d'investissement. Et en recettes d'investissement, nous avons donc le transfert aussi de la section de fonctionnement, 5061 euros, qui sont basculés en recettes d'investissement. Donc nous avons un équilibre aussi en section d'investissement. Voilà ce qui est pour la décision modificative numéro 3. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc 14. 4 abstentions. Et je redonne la parole à monsieur le maire, qui va présider le conseil municipal. Bonsoir à toutes et à tous, et pardon pour ce retard, mais vous avez remarqué, la météo était très clémente et il y avait très très peu de voitures sur la route. Voilà, donc pardon pour ce retard un peu exceptionnel, je salue les collègues. Et nous en sommes, si j'ai bien suivi, à délibération numéro 4, c'est bien cela ? Vous voyez, je commence déjà à fourcher en début de séance, et je redonne la parole à M. Manassari pour une délibération portant sur une admission en non-valeur. Donc c'est classique, hein, c'est tous les ans, nous avons le trésorier qui nous demande une admission en non-valeur puisqu'il n'arrive pas à retrouver certaines créances. Donc vous avez la liste des créances de la police municipale, un peu d'accueil périscolaire, de la restauration, des centres de loisirs, des crèches collectives, des ados et pré-ados. Donc pour un montant en total de 1440,01 €. Donc il vous est demandé d'accepter l'admission en non-valeur. Y a-t-il des questions concernant cette délibération ? Il y a surtout un gros montant dans la petite enfance d'un peu plus de 1300 euros. Il faut rappeler ici qu'au-delà du suivi qui est effectué par le trésorier, bien évidemment, nous-mêmes nous assurons que certains ne profitent pas d'une année creuse pour revenir s'inscrire. Il y a une chose immuable, c'est l'accès à la restauration scolaire, que souvent tous les enfants se rendent sur la colline. Mais et quelquefois quelques familles indélicates, mais donc vérification faite, il n'y a pas lieu de poursuivre au-delà les actions qui ont été faites et diligentées par notre trésorier. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote, le team les voix contre, les abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Je donne toujours la parole à M. Manassari sur le budget annexe du Terre de Chevrisy. Oui, donc il s'agit de la dissolution du budget annexe le Terre de Chevrisy. Je vous rappelle que cette année, il y a eu le transfert de compétences des zones industrielles. Donc la zone du Terre de Chevrisy a été transférée à la communauté d'agglomération de la Val-de-Seine. Et du fait, donc le budget, on a une obligation de dissoudre le budget du Terre de Chevrisy. Donc apparemment, je crois qu'il devait y avoir un solde d'environ 30 000 euros. On ne peut pas inclure tout de suite tout le budget 2018, ça fera l'occasion d'une décision modificative en courant de 2018 pour le réintégrer sous le budget principal.
Donc, il va demander d'accepter de dissoudre le budget avec une perte de chômage. On n'a pas le choix, c'est ça qui nous demande. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Vous remets? Non. Je me donc envoie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 6, portant sur. Pardon, c'est bien ça, hein? 5, je vais y arriver, hein. Je ne suis pas assez. Je suis des lunettes. Je redonne la parole à M. Mamassari sur l'état de comptabilisation des travaux en régie. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, en fonctionnement sur des travaux en régie, on peut réussir à récupérer du FCTVA. Donc pour cela, il suffit de faire un bilan financier des opérations. Donc c'est ce qu'on a fait sur les travaux qui ont été faits en régie sur l'ancien restaurant Lafayette. Et donc on a établi un état des dépenses qui permet donc de récupérer du FCTVA sur la totalité des dépenses. Donc il vous est demandé d'approuver le tableau des travaux en régie annexé à la délibération correspondant à la création de bureaux à la mairie annexe située 12 rue Germain Sirosa. Et le coût total de l'opération est de 19 415 euros. Donc on récupère dessus pas tout à fait la pas tout à fait 20 puisque le FCTVA est un peu inférieur. On récupère quand même c'est une nouveauté de récupérer du FCTVA en fonctionnement. Oui. Une excellente nouvelle. Pour les finances de la ville et donc pour les pays votre soir. Et oui, chaque euro gagné est une conquête. Y a-t-il des questions concernant cette délibération, chers collègues? Il n'y en a pas, je vous envoie. Y a-t-il des voix pour? Eh bien, adoptez l'unanimité, je vous remercie. En absence exceptionnelle de Mme Aberkane-Jouveny, je vais rapporter la délibération numéro 6 portant sur la résiliation du bail commercial avec Anaïs Couture. Anaïs Couture qui était donc installée rue des Carouges, hein, qui est une autre couturière, et qui malheureusement n'a pas prospéré, et à qui nous avons proposé pour éviter et de sombre dans le gouffre des dettes, moins de loyers, parce qu'elles ont toutes été honorées, où le solde restant serait ici dans le temps pour nous permettre d'assumer cette créance, nous a poussé à plutôt nous convier, à lui proposer de rompre le bail, qui était un bail commercial de 369, et en contrepartie aussi d'une soulte de 3000 euros, ce qui correspond au montant qu'elle avait elle-même investi, cette jeune femme, pour s'installer. Voilà. Mais on n'a pas assez fait d'ourlet, pas assez de manches, bref, donc elle n'a pas réussi, et plutôt que de la laisser sombrer, vu sa jeune expérience, c'est l'objet de cette délibération. Donc c'est de m'autoriser à engager les procédures et ensuite à se traduire budgétairement pour casser le bail et lui verser une indemnité de résiliation. En précisant que, sans faire d'effet d'annonce ici, il y a déjà une alternative qui est à l'œuvre et dont nous parlerons lors du prochain conseil municipal de janvier ou février. C'est ça, Mme Aberkane Jouveny, hein? Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Prattol, vous avez la parole. Donc, à la fin, donc, ce bail va être résilié. Alors, quel est le devenir de ce local? Quels sont vos projets? Vous ne m'avez pas écouté, chers collègues. En fait, c'est comme en publicité, ça s'appelle un teasing. Donc, c'est un effet d'annonce. Il y a un projet, chers collègues, mais tant qu'il n'a pas abouti, des discussions, enfin, rien de stratégique, mais en tout cas, il y a déjà une perspective d'installation qui ne sera pas de la couture, qui ne sera pas non plus une pizzeria. Alors, vous savez, c'est un petit local qui est aménagé par la mairie. Il y aurait une activité plutôt sympathique si tout devait être fait. Je vous demande respectueusement de patienter un tout petit peu, mais je ne manquerai pas, bien évidemment, d'informer les élus, peut-être même avant que nous n'en délibérions pour que chacun puisse se forger le pain. Comment? C'est pas le kebab? Pourtant, j'adore le kebab, mais ma santé me l'interdit. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, pardon, cher monsieur François, d'avoir un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'autres questions ou de propositions, donc je mets au vote cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Ah pardon, 4, c'est cela? Ah, parce que je ne t'ai pas dit merci. 4 abstentions, je vous remercie. Je donne la parole. Comme vous voulez, parce qu'en fait, les deux complices se répartissent la parole. Oui, ce qui oui. me permet de dire que vous y allez travailler ensemble tout de même, parce que je ne suis pas fou, très discret, mais souvent, il instruit.
Et sans son expertise, on ne peut pas forcément faire des demandes de subventions. Donc, il paraît, Monsieur Malmassari, vous avez vos entrées à la Fédération française de football. Dites-nous en plus. On le verra par la suite si on a la subvention. Bien, nous vous jugerons, mais vous perdrez peut-être. C'est vrai qu'au budget 2018, nous avons la réhabilitation des vestiaires du stade de la Mare des Champs. Donc on a déjà des subventions du conseil départemental de 7 644 euros, du conseil régional de 42 836. Et donc nous allons faire une demande auprès de la Fédération française de football pour une subvention. Concernant donc ces travaux sur la réhabilitation du vestiaire de la Stade de la Mare des Champs. Oui, non, la présentation a déjà été faite à un précédent conseil municipal pour une demande de subvention précédente, je ne sais plus laquelle, peut-être le conseil départemental, je crois. Donc aujourd'hui, on y rajoute effectivement la subvention possible auprès de la Fédération française de football, pour un montant de 15 000 euros. Très bien. Et puis la bonne nouvelle, c'est en fait pour faire un peu l'indiquer, M. Tafouro, lors du dernier conseil municipal, nous avions adopté une délibération sollicitant le ministère de l'Intérieur. Donc je suis allé voir le cabinet du ministre, et la bonne nouvelle, il nous l'a traduite à travers un courrier. Et donc, ils nous octroieront une subvention exceptionnelle sur l'exercice 2017. Mais j'ai déjà dit que nous retournerions au 1er janvier à frapper à sa porte, donc de 25 000 euros, ce qui est déjà une somme importante pour nous et qui nous permettra toujours d'être au-dessus d'un montant de subventionnement de nos investissements qui passera les 50% comme sur les autres grandes opérations. Donc voilà, donc le travail, quelquefois, paie. Et merci au service d'instruire avec sérieux toutes ces demandes. Voilà, maintenant, il nous reste juste à convaincre le président Legrette de nous donner un peu d'argent entre deux sessions de joueurs. Hein. Voilà. Y a-t-il des questions, Monsieur Poitola, vous qui êtes un amateur de football? Vous voulez absolument une question? Ça m'en a fait plaisir, mais je ne veux pas vous y forcer. Alors, je sais que vous sortez de démarche. Je ne voulais pas vous embêter, mais je vous en prie. Je vous en prie, Monsieur Poitola. Quelles sont les équipes de football qui jouent sur ce terrain? Des équipes de vainqueurs. Ça, je ne veux pas un instant, mais quelles sont les équipes, les catégories? Alors, est-ce que ce sera la seule question ou est-ce que je dois deviner celle qui est à venir? Parce que je n'ai pas de si vous ne la devinez pas, je vous la poserai. Mais écoutez, je pense que je la devine. Vous parlez des dimanches après-midi entre 13 et 15 heures? Du tout. Ah! Alors là, je fais un mot honorable. Alors, je pars sous le couvert des ministres des Sports, mais de mémoire, parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils sont en foot, non. C'est entraînement, là, je suis allé voir, il y avait quelques 7 ou 8 courageux, mais peut-être que mon directeur de cabinet, ça ne se fait pas, hochera de la tête si je ne dis pas de bêtises. Je crois que nous avons une autorisation de jeu, en dehors des entraînements, hein, bien sûr, quasi quotidien. Je crois qu'on va jusqu'au U16, si je ne m'abuse. U15 et féminine. U15 et féminine. Et quelquefois, par dérogation, les vétérans y jouent, mais dans le cadre d'une compétition qui a moins d'exigences, car vous savez, ce terrain n'est pas aux normes de la Ligue. Et donc, votre deuxième question, c'est mais pourquoi n'avez-vous pas mis aux normes de la Ligue? Non, c'est deux erreurs. Ah non, vous avez répondu à la question, parce que ce terrain n'est pas aux normes. Absolument. Voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir quand même la subvention ou pas? C'est un gros point d'interrogation. Oui, parce que je dis oui, dans mon optimisme légendaire, parce qu'en fait, je pense qu'il y a d'autres critères, M. Pratola, que la seule compétition, notamment sur le nombre de joueurs et d'utilisation, et sachant que c'est ouvert par ailleurs au collège. Donc, voilà, sur la pratique dite amateur, et comme on est devenu un club qui compte maintenant de mémoire plus de 500 adhérents, hein, c'est ça, hein. Vous nous avez manqué à la dernière Assemblée Générale, hein. J'y suis allé. Donc, c'est pour ça que je fais le malin en disant le nombre d'adhérents. Mais bon, le club a beaucoup cru ces dernières années. Donc on a un petit espoir. C'est pas un montant inaccessible. Mais je crois que la fédération nous avait déjà aidé une première fois par le passé. Hein, et en plus, une équipe n'est pas connue. Ouais. Et nos filles excellent. Et je rappelle que c'est symbolique, mais il y a quelques années, quand on avait inauguré à la Buissonnière, le match d'ouverture, c'était un match féminin. Voilà, ces dames reconnaîtront là notre sens de l'égalité.
Voilà. Et puis pour le dimanche, puisque j'ai tendu la perche, on est en train, puisque vous savez qu'il y a eu quelques intrusions d'adultes, Melunet. Donc là, on est sur une phase de discussion avec eux, visant à ce qu'ils adhèrent dans une section dite amateur au club de Volpénil, pour leur ouvrir des droits, circonscrits sur une durée de 2 heures, sur le stade du centre-ville. Parce que de toute façon, sinon, le risque, c'est que de toute façon, ils iront jouer, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne va pas bâtir un Guantanamo. C'est un de nos points de désaccord historique, hein, monsieur Batola, mais j'ai fait un monde honorable aussi sur ce sujet. Voilà, que tous ceux qui aiment le foot votent, donc qui est contre. Tous ceux qui aiment la ville de Volpénil votent, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Reyes, c'est votre quart d'heure et avec des délibérations assez importantes, donc. Est-ce qu'on les prend une par une ou souhaitez-vous faire une présentation générale, M. Reyes? Je vais faire une présentation globale au départ et au départ. Et les délibérations. Qui détaille. Voilà. Vous avez la parole. Les trois dérives sont liées. Très bien. Et je précise à M. Reyes que nous lui avons volé son stylo. Je vais amener les images. Je vais faire la de la situation. Un peu plus fort dans le micro, M. Reyes, s'il vous plaît. Oui, mais je crois que j'ai le chat à voir, non? Il n'y a pas plein de situations aussi. Non. Avant. Bon, c'est d'avant, on va faire avec. Voilà, voyez, vous me donnez un, c'est pas bien. Hein. Vous avez ici la rue de le marché. Bon, ça démarre bien. Voilà. Bon, la rue de la Côte de Fer à droite, quand le stylo va marcher. Les Rainettes à gauche. Et tout ce qui a. Vous avez marqué 246, c'est une parcelle de verdure, qui est une coulée verte. Et la partie verte crayonnée ABC, c'est la partie que l'on va essayer de vendre. Comment ça s'est passé? En général, plus souvent, c'est un des prétendants qui nous contacte et qui demande à acheter la parcelle. Alors on précise que ça peut se faire que dans certaines conditions, avoir déjà l'accord du conseil municipal, que la parcelle sera vendue en entier, et non pas par petits morceaux, des petits morceaux pour nous laisser des queues de parcelles qui ne servent à rien. Bon, vous voyez que les architectes du Clos Saint-Martin, quand ils ont fait le découpage, ils se sont un peu amusés, mais bon, ils avaient aussi détenu par un pourcentage de coulées vertes à respecter. Donc on peut espérer que c'est pour ça, on peut supposer que c'est pour ça. Ils ont fait ces découpes un peu bizarres. Donc, je vous propose de vendre les trois parcelles. Vous voyez, on a donc contacté tous les 9 riverains qui étaient autour. Ceux qui ont ceux qui ont répondu, il y en a 3. Un, je crois, de mémoire, a répondu qu'il n'était pas intéressé, et les autres ne sont pas manifestés. On les a relancés en leur disant bien que s'ils ne se prononçaient pas, c'était fini. On pensait qu'ils n'étaient pas intéressés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il en est resté 3, on les a réunis, on a essayé de se mettre d'accord déjà pour le découpage, c'est pas plus facile. Mais bon, c'était assez raisonnable, ça a été assez vite. Les domaines ne nous ont pas beaucoup aidés, puisque maintenant les domaines, enfin maintenant depuis un certain temps, ne se déplacent pas si ce n'est pas 180 000 euros. Ils ne savent pas non plus la notion de ce qu'on appelle le prix au mètre carré, il faut du global. Donc ils nous ont conseillé verbalement de négocier entre 10 et 20 euros le mètre. Bon. Donc voilà les 3 parcelles qui ont été attribuées. Vous avez la flèche qui indique les 3 propriétaires possibles. Et dans la délit, vous avez les noms. Hein, avec le détail des mètres carrés, le prix négocié final est de 15 euros du mètre carré. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. On garde bien entendu la coulée verte, 246 restera une coulée verte, et ne sera exclusivement que d'usage piétonnier, comme elle est actuellement. En fait, on a vendu la petite verrue, là, qui ne sert à rien, qui est un cul-de-sac. Hein. Voilà. Donc on va devoir, dans un premier temps, désaffecter, si tant est qu'elle soit affectée à quelque chose. Dans un deuxième temps, on devra la déclasser pour qu'elle passe qu'elle sorte du domaine public. Et dans un troisième temps, on votera la cession aux 3 personnes intéressées. Bon, ce n'est pas tellement le prix qui est intéressant là-dessus, ce n'est pas les quelques milliers d'euros que ça va rapporter, c'est surtout que ça va nous supprimer quelques... M. Tafourou pourrait nous le préciser un peu mieux, dans quelques heures, voire même des journées d'agent d'entretien des espaces verts.
Oui, oui, tout à fait, M. Ries, vous avez raison, puisque bon, la surface totale de ces trois lots avoisine dépasse les 500 mètres carrés. Oui. Donc, à entretenir, que ce soit en pompe ou en déplacement, parce qu'il faut tout prendre en compte dans les travaux qui sont faits en régie, représente quand même plusieurs journées de travail réparties sur l'année, bien sûr. Donc, c'est une bonne chose de se libérer finalement de ces espaces et que les riverains, eux, puissent finalement en profiter également. On peut voter la première partie. Non, on va d'abord demander s'il y a des questions. J'aimerais bien des questions, chers collègues, concernant ce projet de session. Alors, donc, maintenant, sur IES, nous allons, vous savez que c'est plusieurs étapes en droit pour permettre de céder ces parcelles. Donc, la première, c'est la délibération numéro 8, qui concerne donc la désaffectation de la parcelle dite AT 0246. Que je mets en voix, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? 4 abstentions, elle est adoptée. La numéro 9, qui après la désaffection doit la déclasser, donc déclassement de la parcelle 246 en 3 parcelles, entre la rue de la Corne de Fer et la rue des Carreaux, que je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Je supplie qu'il y aura des abstentions. Il y en a donc 4. C'est adopté. Je vous remercie. Et enfin, conclusion de cette première opération, la cession des 3 parcelles donc aux familles qui se sont déclarées intéressées et au prix donc de 15 euros le mètre carré. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? 4 abstentions. Il y a une constance et une cohérence dans le vote que je veux saluer. Et donc la délibération est adoptée. Il paraît que vous avez autre chose à nous vendre, M. Reyes. Oui, j'ai tout à fait dans le même style. C'est pas très loin. C'est entre la rue des Carreaux et la rue des Planons. Vous voyez la plein situation. C'est la parcelle qui est grisée. Heureusement, je ne vois pas très bien, parce que j'ai mes lunettes. Vous avez une coulée verte qui part de la rue des Carreaux et qui va jusqu'à la rue des Planons. C'est celle qui, en continuant, vous allez directement au départ de la Doue, là où il y a le petit pont. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment un cul-de-sac. Hein. Les gens, d'ailleurs, se plaignent que des gamins veulent faire les imbéciles là. Enfin bon, il y en a même qui ont dit qu'ils ont été visités en passant par la clôture. Bon, enfin, et qui trouvent qu'on n'entretient pas assez. On verra comment ils vont faire quand ils vont acheter. Bon. Donc, on peut prendre maintenant. Voilà la découpe qui a été faite. Alors, ça s'est bien passé. Il y a quand même 5 personnes. Je peux vous dire que ça représente quand même quelques palabres à discuter. Parce que là, ça se joue au correct, c'est de l'or, hein, c'est au mètre carré. Quoi. C'est très difficile. Alors, on a essayé de respecter la géométrie en ligne droite. Hein. C'est pas toujours évident. D'ailleurs, le monsieur qui avait, le premier qui a sollicité, c'est celui qui a le petit triangle là, à droite. Oui. C'est lui qui voulait que ça, parce que c'était en biais, il voulait que ça finisse droit. Donc, il voulait nous acheter que ça. Donc, on a dit, on va en profiter pour voir vos collègues. Donc, voilà comment on a procédé. Et on a réussi à conclure l'affaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, on en profite pour la passer quand c'était chaud. Et en général, on fait un plat et on obtient ce que chaque personne signe. Bon pour accord et signe dessus. Comme ça. Je ne sais pas si ça a une valeur, mais pour nous, c'est un truc réussi. Voilà. Parce qu'on n'est pas très bavard, c'est dur à discuter. Notre directeur général dit que ça n'a aucune valeur. Hein, désolé pourquoi. C'est pas grave, mais pour moi, ça me fait du bien parce que je peux la ramener. Quand il y a un qui change d'avis, il faut qu'il m'explique. Bon pour accord, c'est français. Voilà. Je ne sais pas, moi je n'ai plus rien à vous dire là-dessus, j'attends des questions éventuellement. C'est du même tonneau que le précédent. Hein. On désaffecte, si tant est qu'il y a des gens qui viennent s'en servir, je ne sais pas, on déclasse et on va. Merci M. Reyes pour cette précision. Alors il y avait. Madame Bouchon, vous vouliez poser une question. 15 euros par exemple, on a discuté. Ça correspondait. Ça correspondait à peu près à la vente des frileuses, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que le commissaire des domaines s'est déplacé. Voilà. Parfait. Merci M. Reyes. Y a-t-il des questions, chers collègues ? Non ? Eh bien écoutez, même procédure et peut-être même vote, allez savoir. Donc je commence par la désaffectation, c'est un drôle de mot, mais bon, d'une parcelle... AS 0148, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? 4 abstentions adoptées, je vous remercie.
dans le prolongement, le déclassement de la même parcelle subdivisée ensuite en 5 parcelles, entre donc les rues des Planons et rue des Carreaux, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions, 4 abstentions adoptées, je vous remercie. Et enfin, et pour répondre à Mme Rouchon, puisque là c'est précisé dans le marbre, toujours au même prix de 15 euros le mètre carré, donc la cession des 324 mètres carrés, donc cession de ces 5 parcelles, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions, 4 abstentions à l'unanimité. Et de saluer le travail qui a été mené par M. Reyes, le service de l'urbanisme, qui va rapporter quand même quelques 13 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Donc 13 000 euros qui serviront et qui sont inscrits au budget de 2018. Voilà. 13 000 euros nonobstant les droits de mutation. Ah, parce qu'en plus, on peut toucher 1,2%. Un peu de fiscalité, 1,2%. Voilà. Il n'y aura pas de TLE, mais bon. Un sou, c'est un sou. Hein. Voilà. Très bien. Monsieur Reyes, comme nous avions un grand plaisir à vous entendre, que diriez-vous de continuer sur le bilan de la concertation concernant donc la révision allégée du PLU pour le lieu-dit du Tertre de Cerisy? Ah, c'est moins simple, c'est beaucoup plus. Au mois de janvier 2016, dans le conseil municipal, vous aviez voté la décision de réviser le PLU justement sur le Tertre de Cerisy. Donc c'est la continuité. On a pu faire quelques études, terminer une étude environnementale notamment, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'espèces rares, qu'il n'y avait pas de décence particulière, etc. Donc ça a été tout favorable. Donc le but de cette révision, c'est pour lever la servitude de l'espace bois classé. Alors je vais essayer de vous le montrer si le stylo va marcher. Voilà, il est là. Ça représente sur 2 parcelles et ça représente environ 7000 m². C'est une parcelle qui est entièrement communale. Alors, au-delà du fait que ça peut nous rapporter quelque argent, bien entendu, on retrouve la vocation primaire de cette parcelle qui est du commerce et de l'activité. Elle est classée en UXD, je vous rappelle que dans le PLU, UXD, c'est vraiment pour des commerces et des activités, commerces qui peuvent aller sans restriction de surface, comme l'emplacement où se trouve Intermarché, etc. Tout le coin, hein. Donc c'était un peu une anomalie, mais c'est l'héritage du poste, hein, donc on ne peut pas tout gommer d'un coup. Hein. Voilà. Parce que, en référant juste peut-être, parce que pour certains de nos conscients du public, oui. C'est la parcelle, vous savez, c'est à côté de Bricodépôt. Oui, oui. Il y a le plan. Vous avez une grande surface plane de 10 000 m² qui elle appartient à privé, et c'est ce qui est de l'autre côté qui va sur la départementale 605 à l'écoute. C'est les plans qui sont détaillés tout à l'heure. Globalement, vous voyez, la surface en vert ici, toute petite. On voit surtout celle-ci qui n'est pas à nous, hein, qui est une friche remarquable, hein, avec des herbes jaunes, hein, c'est moche, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Et donc les seuls arbustes très rares, vous allez voir par la suite, sont chez nous, les arbres aussi, on a tout le moulin, tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est. Alors il ne veut pas marcher, tant pis, hein, c'est dommage, ça a changé les pieds. C'est en fait exprès. Hein. Bon, donc, alors où en étais-je? J'ai mis dans l'ordre. Voilà. Oui, pour dire que cette modification respecte le PADD, hein, qui est le plan d'aménagement, qui donc a reclassé avec le squat, a réexpliqué donc il y avait un front urbain à respecter, qu'il y avait une espèce d'unité qu'il fallait faire, donc ça ne gêne pas du tout, puisqu'on respecte absolument le front urbain. Donc voilà, vous avez la partie plus détaillée. En gros, pour considérer que vous avez, alors il ne veut pas marcher, là où il y a l'espèce de mare, c'est un bassin de rétention des eaux, il n'y en a jamais, mais bon, c'est classé comme ça. Vous avez la partie verte qui est une partie qui est herbacée, puis quelques bois, quelques petits arbustes en bordure, quelques arbres, on verra sur les photos. Et la partie jaune n'est pas à nous, c'est vraiment une friche, là, c'est la savane. Voilà. Vous avez à droite le château d'eau, vous voyez, peut-être passer à la suite. Voilà, une photo. Vue de quand vous avez un Bricodépôt, voilà quoi ça peut ressembler. Et en dessous, quand vous passez sur la route de Nangis, vous avez le château d'eau, voilà, c'est la butte qui est derrière. Voilà. On peut voir la suite, ouais, éventuellement. Donc vous voyez, les arbres sont en très bon état, hein, ils sont complètement bouffés, on ne sait pas quoi le dire. C'est vraiment des arbres. Si j'avais fait une photo au mois de décembre, je commence à l'inclure, c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment des bouts de bois qui dépassent. S'il y a 10 arbres là-dedans, c'est le maximum. Hein. Alors la suite, voilà. Donc je pensais que voilà, c'est tout à fait en haut. Oh, ben, ça marche pas. C'est tout à fait en haut,
la parcelle. Bon. Alors, vous avez donc vu cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis le mois de janvier? Nous avons travaillé donc le projet, fait des plans, fait des expertises, et on a réuni donc une réunion, on a fait une réunion publique où sont venues une douzaine de personnes qui ont posé quelques questions auxquelles nous avons répondu. En fait, il y avait trois questions, dont une qui ne concernait pas du tout le PLU. Donc la première de mémoire, mais je veux la voir. La première de mémoire, la personne s'inquiétait de savoir que deviendrait le bassin de rétention. On lui expliquait que de toute façon, la vocation étant de faire du commerce d'activité, si un permis qui est déposé sur cette zone, ils seront soumis au débit nécessaire pour évacuer les eaux qui pourraient être retenues par une imperméabilisation du terrain. Ça c'est clair, c'est obligatoire, de toute façon. De toute façon, les dossiers sont transmis à l'ARCAM qui explique exactement quel gamme de tuyaux il faut mettre. Je schématise, mais c'est un peu ce qui se passe. Le deuxième, alors ça va me permettre d'aller à la suite, c'est qu'une personne a demandé qu'est-ce que vous faites en compensation de suppression d'espace de bois classé, voilà. Parce que nous on aime les arbres, etc. Bon, le truc classique, on aime justement, même si ce n'est pas une chose obligatoire, puisque même l'espace bois classé n'est pas tenu d'avoir des arbres. Hein. C'est de la verdure, espace naturel. Donc on a dit qu'on va profiter pour faire une continuité avec le buisson de ma souris. On va prendre, si mon machin marche, voilà, ah ben, le buisson de ma souris c'est tout ça, là vous avez la mare au canard, hein, où il y a les cygnes, et donc toute la partie ici, voilà, qui représente en gros 6 hectares, va être reclassée, elle passera de zone N, qui est une zone naturelle, qui déjà protège pas mal, à une zone bois classée, qui elle protège totalement. D'ailleurs vous avez vu, on va mettre plus de nains pour la déclasser. Il faut déjà la volonté de le faire, ça ne se fait pas de coup de cuillère à peau. Donc en compensation, voilà comment c'était avant. Alors, c'est un peu petit pour moi, je pense. Donc il faut mal. Vous avez la situation avant qui est à gauche, la situation après qui est à droite. Comme dans les permis, on est très habitué. De même que, il y avait peut-être la diapo avant, c'était la même chose au terme de Chorizy. On peut la montrer, voilà. En haut, c'est avant, avec la partie verte en haut, là, qui ne marche plus. Ouais. Non. Et en bas, il n'y a plus de vert, c'est tout jaune. Voilà. Reste encore la partie verte, vous voyez, la partie verte, c'est toujours du bois glacé, et c'est celle qui se trouve entre l'usine d'incinération et le centre de logistique, et qui va jusqu'à la route de Nagis. Alors là aussi, si vous passez, vous verrez les arbres, vous encontrerez avec les mêmes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est un bois glacé. Le bois, ce n'est pas forcé d'avoir des trucs de 50 mètres de haut. Voilà, alors, moi je crois que j'ai fini, j'ai voulu aller assez vite. Alors, si vous votez le bilan positif, donc après la concertation avec le public béni pour soi, si vous votez donc ce soir l'accord, qu'est-ce qui va se passer? On va prévenir et on va convoquer lors d'une charmante réunion les personnes publiques associées pour leur représenter le projet. Alors, public associé, c'est la préfecture, c'est la région, c'est la CAM, c'est un peu tous ceux qui veulent venir. Il n'y a pas toujours grand monde, mais enfin, bon, on les accueillera quand même. Et suite à ça, en parallèle, on demandera au juge, donc ça c'est le maire qui fera un arrêté, et on demandera au juge de nous nommer un commissaire enquêteur, et on lancera une enquête publique, comme c'est classique. Alors, on voulait la faire au mois de février, mais ça va mal tomber, ça risque de tomber un peu pendant les vacances. Il faut que l'un de nous soit là, enfin bon, voilà. Donc, et à l'issue de cette enquête publique, il y aura des rapports remis, bien entendu. Le commissaire enquêteur fera son rapport, favorable, défavorable. Nous, on verra ce qu'on fait derrière, si on l'accepte ou si on change dans ces directives. Et vous revoterez, oui ou non, pour la révision définitive du PLU qui sera donc applicable 2 mois après. Je suis prêt à répondre aux questions. J'étais un peu vite parce que c'est très long. Non, avec plaisir à vous entendre, monsieur Reyes. Et piquant. Juste deux remarques. Comme l'a dit M. Reyes, ce sont des temps très longs, très très longs quand même, pour faire muter et modifier la nature juridique du foncier. La seconde, c'est que nous avons écrit au maire de Melun, car les 4000 m² dont parlait M. Reyes, hein, qui sont attenants à la parcelle d'un peu plus de 7000 m² qui appartient encore à la ville, c'est la dernière qui nous appartient, ensuite c'est 10000 m² qui appartiennent à un propriétaire privé, pour inviter la ville de Melun
à soit se rapprocher en vue d'une vente commune de cette surface pour des activités économiques, voire de nous la céder à des conditions qui restent à déterminer, car en fait, la difficulté de cession de cette parcelle, c'est son accessibilité entrante et sortante, elle est très enclavée, et que le département hein, qui doit nous autoriser un accès à la départementale nous invite plutôt à trouver des voies alternatives. Et la voie alternative, ce serait que ceux qui connaissent donc l'autre côté de la butte, ce serait plutôt d'accéder par le bas, dire là où aujourd'hui vous avez le château d'eau, ensuite il y a une enclave où des chiens sont dressés. Avant de dresser les chiens de la police nationale, je crois que c'est un club, et que dans la proposition nous avons suggéré éventuellement qu'ils puissent se transférer près de la SIDA, cohérence d'activité, et ainsi peut-être envisager d'avoir une parcelle de 11 000 m² désenclavée. Donc tout ça prend encore un tout petit peu de temps. J'ai relancé le maire de Melun tout à l'heure en lui expliquant que ça mettrait de bonne humeur M. Reyes, mais il m'a dit qu'il réfléchissait à notre proposition. Voilà, donc tu garderas ton humeur neutre. D'ailleurs, on a envisagé une échappatoire, si on n'arrive pas à conclure. C'est qu'on a quand même un accès jusqu'au moulin, par un petit chemin qui doit faire 3-4 mètres, pas plus, mais qui n'est pas vraiment une voie d'accès. Si on ne pouvait pas travailler sur la partie des chiens, on pourrait demander à élargir celle-ci que de 4 ou 5 mètres, ce qui serait peut-être plus simple. Et là, par contre, ça désenclaverait totalement. D'accord, c'est une bonne idée. Bon, j'ai bon espoir. On réfléchit quand même, on réfléchit. J'ai bon espoir que la ville de Melun entende notre proposition. Y a-t-il des questions concernant donc cette proposition de modification, de révision, pardon, allégée du PLU ? Il n'y en a pas. Donc je la mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Eh bien, passons à des délibérations, cette fois-ci touchantes à l'organisation de la maison des ressources humaines. Et nous commençons, M. Malmassari, par l'indemnité de suivi d'orientation des élèves dans la filière culturelle. Vous avez la parole. Oui, donc, vous savez que tous les professeurs d'éducation musicale ont une indemnité de suivi d'orientation des élèves, hein, qui ont reconnaissance de caractère propre de la fonction enseignante, et notamment l'appréciation du travail des élèves et la participation aux commissions d'accès dans les années et cycles supérieurs. Donc en fait, cette indemnité, on s'est rendu compte qu'aucune interdiction particulière de cumul existe. En fait, on a beaucoup d'enseignants qui sont multi-collectivités, puisqu'on en a ici qui sont à Bobénil, qui vont à Aumé et puis probablement aussi à Melun. Donc en fin de compte, ça veut dire qu'ils pouvaient cumuler une indemnité de profession. En fait. Et donc on a décidé, comme on a beaucoup de professeurs qui sont à temps partiel, 30, 50, 60%, puisque en fin de compte, ils sont multi-collectivités, on a décidé de cette prime de la proratiser en fonction du temps réel fait dans la commune. En fin de compte, puisqu'ils sont dans plusieurs communes, en additionnant, ils sont à 100%. Voilà, donc c'est ce qu'on vous demande d'approuver. C'est une indemnité qui est fixée à 103 € brut par mois. Il y a aussi 118, mais quand on a une mission supplémentaire de coordination, elle est à 118 € par mois. Donc ça sera proratisé en fonction du temps réalisé. Comment on l'a fait sur d'autres domaines ? Y a-t-il des questions donc, concernant cette modification du régime indemnitaire ? Oui, monsieur Gaston, vous avez la parole. C'est juste une précision. Donc ce nouveau calcul de répartition va faire en sorte qu'il y ait plus d'équité en fait, entre les enseignants, parce qu'il y avait certains enseignants qui touchaient systématiquement cette prime, alors qu'ils faisaient moins d'heures que d'autres. Voilà, qui la méritait plus, entre guillemets. Et donc, ceci aussi va nous amener à faire des économies, hein, je pense, au niveau des... Voilà. Oui, mais pour le budget de la commune. C'est à la fois équitable et économique. En tout cas, c'est une question de justice, un régime pour tout le monde. Merci, M. Gastin, pour cette remarque. Donc, y a-t-il des voix contre, des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Et bien, puisque vous aimez la culture, on va continuer dans cette veine.
et nous allons parler donc des indemnités de cancer, M. Malmassari. Oui, donc alors là, par contre, il s'agit d'une revalorisation des indemnités de cancer, et que chaque professeur avait une rémunération de 91,47 € brut par cancer. On a apporté cette indemnité à 100 €. Voilà, une des rares augmentations de ce mandat. Donc, une manière de compenser la délibération précédente. Ouais, et puis de saluer aussi, parce qu'on sollicite, je ne sais pas que c'est toujours Madame Hyecke, mais quand même, souvent Madame Hyecke qui aime l'histoire et la culture, et d'autres de nos collègues, nous sollicitons de plus en plus notre école de musique, en tout cas ses enseignants, pour voilà, agrémenter. Je pense, hein, j'ai quelques éminents représentants là aux cérémonies, hein, qui ont, je dirais, une couleur toute particulière désormais à Volpénil et dont sont jeunes toutes les communes. Voilà. Certains viennent même guetter et copier ce que nous faisons. Donc on a voulu faire un geste à l'endroit de nos professeurs de musique. Et comme dès qu'on parle de musique, j'ai toujours mon élu préféré, je donne la parole à M. Gastrin. En plus, c'est une mise à niveau donc, de cette indemnité qui va aussi rattraper celle des autres communes qui sont partenaires avec tout, c'est-à-dire Melun et Lemay. C'est-à-dire qu'on aura tous, les mêmes indemnités. C'est-à-dire parce qu'on se retrouvait aussi avec des gens qui venaient à Volpénil qui étaient moins payés. Voilà. Donc ils vont peut-être plus venir à ce moment-là participer à nos. Une commémoration ou... Pas trop non plus, hein, parce que... Oui. C'est bien. Voilà, je suis espagnol d'origine, mais j'ai quand même quelquefois le sentiment que j'ai des racines un peu auvergnates, c'est-à-dire bon gestionnaire. Voilà. Hein, pour... Très bien. Donc, pour la musique, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité, merci pour eux. Nous continuons sur les ressources humaines, M. Malmassari, sur la modification du tableau des effectifs. Oui, donc là, il s'agit d'un transfert de poste de quelqu'un qui avait un poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe et qui, on a créé ce poste d'adjoint administratif principal deuxième classe. C'est un transfert puisqu'elle a changé de fonction. Voilà, par intégration directe. Par intégration directe. Y a-t-il des questions concernant donc, cette délibération que je vais vous envoyer ? Y a-t-il des voix contre, des abstentions ? 4 abstentions. Adopté, je vous remercie. Eh bien, modifions encore un tout petit peu, cette fois-ci encore les effectifs, sur la création de poste après une réussite à concours ou par un objet de promotion interne. Promotion interne, donc il s'agit de 3 postes d'agents de maîtrise territoriaux qui sont passés agents de maîtrise. Donc c'est des grades à créer. Hein, pour créer son poste. Voilà, donc pour ces promotions pour nos collaborateurs, je mets au point, donc il y a des questions. Ils sont 3 agents de territoire. 3 agents. Hein. Les services techniques, voilà, je me souviens de les citer, hein, c'est un peu la règle, on anonymise ce genre de décision. Y a-t-il des voix contre, des abstentions, 4 abstentions, sans commentaire, hein, je vous adore à cette notice, je vous savez, la liberté pour moi est absolue concernant le vote. Adopté à l'unanimité, à une large majorité. Eh bien, et la dernière, et je m'abstiendrai de tout commentaire, donc toujours modification du tableau des effectifs, selon des modifications de postes. Des promotions, donc, 2 postes d'adjoint administratif principal deuxième classe, et 2 agents qui sont passés au poste d'adjoint administratif principal de première classe. Donc 2 promotions en interne. Donc vous demandez d'approuver ces 2 promotions. Que je les envoie, y a-t-il des voix contre, des abstentions, 4 abstentions adoptées, je vous remercie. Monsieur Manassari, aussi nous devons, puisque nous sommes proches de l'année 18, délibérer sur la rémunération de la psychologue qui anime le pôle écoute et atelier pour les parents de Volpénil. C'est ça, donc comme tous les ans, on prévoit donc 29 vacations de 3 heures pour l'année 2018 à 25,50 € brut l'heure de vacation. Donc c'est pérenne, tous les ans on revote ces vacations pour le psychologue de pôle écoute et d'atelier parents. Donc il vous est demandé d'approuver ces 29 vacations. Voilà. Et au nombre de 29 en 2017, hein, pour être complètement précis. Et donc chacun sait ici, enfin, nous sommes quelques-uns à savoir, combien elles sont précieuses pour accompagner les familles de Volpénil. Hein. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre, des abstentions adoptées à l'unanimité, je vous remercie.
toujours au titre donc, des ressources humaines, M. Manassari. Donc toujours là, c'est du renouvellement de deux postes à 52% et 72% de temps partiel. Et donc c'est considérant la nécessité d'assurer la surveillance des restaurants scolaires et d'accueil périscolaire. Donc on recrée ces deux postes année sur année à 52, à temps partiel de 52% et 72%. Merci M. Manassari. Y a-t-il des questions? Je les aurai. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions. Nous avons donc adopté ce renouvellement. Monsieur Manassari, parlez-nous de la convention annuelle avec le centre de gestion. Donc c'est une convention annuelle qu'on signe avec le centre de gestion de Seine-et-Marne. Et qui donc, bon, vous avez les pages là, mais vous n'avez pas les tarifs. En fait, on, à l'intérieur de cette convention, on choisit, nous, les critères qu'on veut. Donc nous, en principe, on prend l'hygiène, la sécurité, les carrières, l'emploi, le chômage et les caisses de retraite. Donc ils nous accompagnent sur ces tâches-là, suivant un tarif qui est prédéfini à l'année. C'est un accord que toutes les communes signent avec le centre de gestion de cinéma. Je vous ai demandé d'approuver cette convention. Y a-t-il des questions concernant cette convention annuelle cadre? Il n'y en a pas. Je vais ouvrir. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Enfin, là, c'est un gros dossier, un peu technique, mais sur lequel je demande un peu d'attention. Donc, sur la mise en place d'un nouveau régime pour les agents de la fonction publique. Vous avez la parole, M. Manassari. Oui, donc il s'agit d'un nouveau régime. Je crois qu'on va le passer à l'écran. Par contre, j'ai fait une petite synthèse. C'est ce qu'on appelle le RIF 7. Donc, c'est un peu compliqué. C'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Alors, quoi se concerne? Donc, vous avez eu au 1er juillet 2015, donc certains cadres d'emploi territoriaux devraient être concernés par un nouveau régime indemnitaire nommé RIF 7. C'est-à-dire que pas tous les cadres, en fait, puisque c'était des décrets qui arrivent année sur année, et nous n'avons pas encore tous les décrets, mais donc au fur et à mesure, on avance au fur et à mesure des décrets qui arrivent. Donc l'objectif, c'est de supprimer, simplifier le régime des primes et des indemnités dans la fonction publique, afin d'en améliorer la lisibilité. En fait, on va supprimer tout le millefeuille des indemnités qu'il y a pour les regrouper en une seule indemnité. Alors, le RIF 7, il vient en lieu et place des indemnités actuelles, donc vous avez toute la liste des indemnités aujourd'hui qu'il y a. L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, la prime de fonction de résultat, la prime de fonction informatique, l'indemnité d'administration de technicité, l'indemnité d'exercice des missions préfecture et la prime de technicité forfaitaire de personnel de bibliothèque. Vous voyez, donc toutes ces primes-là vont être regroupées en une seule prime mensuelle. Alors, subsistent les indemnités suivantes, par contre. Donc ça, en dehors, elles ne rentreront pas dans cette catégorie, c'est les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, qui est un peu logique, puisque ça compte en fonction du travail. Les indemnités de permanence et d'intervention de l'astreinte, c'est pareil, parce que ça peut changer suivant les gens qui font les astreintes ou pas. L'indemnité de travail de nuit, dimanche, c'est jour férié, donc des heures supplémentaires. Les indemnités de régie, les frais de déplacement et les avantages collectivement acquis. Donc vous savez qu'à Bolpénie, nous avons un 13e mois, donc le 13e mois ne rentrera pas dans ce régime indemnitaire. Ce sera toujours un mois qui sera versé. Versé en novembre, je crois. Alors, le RIF 7 se décompose en deux parties, en fait. Donc, on a une indemnité de fonction et de suggestion qu'on appelle le IFSE. Donc, l'indemnité principale, celle-là, elle est versée mensuellement. Elle se substitue donc à tout régime indemnitaire. C'est-à-dire que tout le régime qu'il y avait avant va être regroupé en une seule catégorie. Alors, le but du RIF 7, c'est qu'en fait, l'agent ne perd absolument rien. Intégralement, son salaire est reversé, mais il est dispatché d'une manière différente. Donc, l'IFSE tient compte de la responsabilité, de la technicité, de la suggestion particulière de chaque poste. Donc, c'est une redéfinition des postes aussi, qu'on va revoir un peu plus loin. Et la deuxième partie, c'est le complément indemnitaire annuel, ce qu'on appelle le CIA. C'est pas la CIA. C'est une indemnité facultative et variable. Alors, c'est là le changement, c'est que ça, c'est variable. Elle est liée aux résultats et au comportement individuel des agents. Donc ça, c'est nouveau dans la fonction publique, hein, et par rapport au comportement de l'agent. Donc, son versement est annuel, on le versera en mois de juin, et le CIA tient compte de la manière de servir, en gros, et de l'engagement professionnel de l'agent. Alors, qui est concerné? Parce que tout le monde n'est pas concerné tout de suite. Donc, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels, permanents, de droit public à temps complet ou à temps non complet, et ayant au moins 2 ans d'ancienneté, ou si la nature des fonctions justifie.
Donc les cadrans d'emploi éligibles, c'est toute la filière administrative. La filière technique, mais on attend par contre les textes de référence pour les ingénieurs, les techniciens territoriaux. Comme vous voyez, que donc on n'a pas les textes, on les a les textes au fur et à mesure d'année en année. Donc, la filière culturelle, et on attend des textes sauf pour les adjoints territoriaux de conservation patrimoine. La filière sportive, la filière sanitaire et sociale, mais par contre là on attend les textes pour les éducateurs jeunes enfants, donc vous voyez que ce n'est pas tout complet, et la filière animation. Alors, et sont exclus, donc on est passé sur la page suivante, sont exclus les professeurs d'enseignement artistique, on va passer, les assistants d'enseignement, les cadres de santé paramédicaux, paramédical, excusez-moi, les infirmières en congé de route, on n'en a pas beaucoup, nous, en fait, on a d'autres. Et tout ce qui est puéricultrice, auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire toute la crèche aujourd'hui n'est pas concernée par la. Exclu du dispositif, aussi la filière sécurité, police municipale, pour absence d'équivalence de cadre d'emploi avec la fonction publique. Parce que le but aussi, c'est un peu d'uniformiser la fonction territoriale avec la fonction nationale. Alors, la répartition des groupes a été faite selon ces critères. Donc, dans sa circulaire, le ministère préconise de constituer 4 groupes hein, de fonctions pour les agents de catégorie A, 3 groupes pour les agents de catégorie B et 2 groupes pour les agents de catégorie C. Donc, dans le groupe A, vous avez la catégorie A1, le directeur, la directrice générale de service et le collaborateur de cabinet. Le A2, c'est tous les directeurs de pôle, en gros, c'est le comité de direction. Et A3, ce sont les responsables de service avec encadrement de plus de 5 agents ou plusieurs services. Et nous avons mis aussi l'assistant du maire qui est en catégorie. Groupe B, ce sont les responsables de service avec moins de 5 agents ou 100, ou une chargée de mission spécifique. On peut avoir une mission spécifique, par exemple, l'hygiène, la sécurité, quelque chose de ce genre. Les B2, c'est les chefs de secteur avec plus de 5 agents. Les B3, c'est les chefs de secteur avec moins de 5 agents. Mais ils peuvent avoir une technicité spécifique, une expertise, et on a mis aussi les assistants de direction. Et le groupe C, ce sont les adjoints aux chefs de secteur, eux aussi, qui peuvent avoir l'expertise d'un logiciel métier. Et en C2, nous avons tous les opérationnels. Alors, ce classement est important, parce que vous allez voir dans la documentation que vous avez, puisqu'il définit en fin de compte le plafond maximum de l'IFSE qu'on peut attribuer. Il y a un tableau qui résout. Alors, on va revenir simplement sur la composition du RIF 7. La page suivante. Oui, on va faire la page suivante. Alors, indemnité en 2 parts. Donc ça, on l'a vu, on l'a passé. Et alors, les IFSE. Donc l'indemnité de fonction. Donc on revient sur les suggestions. Vous voyez, il y a 3 grands critères. C'est l'encadrement, la coordination, le pilotage et la conception. La technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification requise. Et la suggestion particulière, le degré d'exposition du poste au regard de l'environnement professionnel. Évidemment, c'est un compte aussi des vigilances, de la pénibilité, des facteurs de perturbation. Donc ça, ce sont pratiquement les 3 critères. Et on peut passer sur le CIA. Alors le CIA, donc le complément d'indemnitaire annuel, donc celui-là, il est versé. Nous, on a fait le choix de le verser une fois par an, mais on peut le verser aussi 2 fois par an. Donc le CIA est versé en prenant compte de la manière de servir de l'argent, c'est ce qu'on a vu. Donc, 4 critères font le lien entre l'entretien professionnel et la modulation du CIA. Donc, les résultats professionnels, c'est les objectifs aussi de l'agent, la manière de servir, le respect des règlements, de la hiérarchie, l'exactitude des horaires, le respect des horaires, les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement d'expertise. Donc, le CIA, il est versé en juin et nous, il sera composé de la prime d'habillement qu'on attribuait à pratiquement tous les agents. Et la prime du mois de juin, puisqu'on versait une prime au mois de juin de 152 euros. Donc vous voyez qu'on a un CIA qui est de 205 euros. Donc la grande nouveauté, c'est que ce CIA est variable de, on va le voir sur la page suivante, il est variable de 0 à 100%. Donc logiquement, si les gens travaillent bien, ils ont 100%, s'ils travaillent vraiment pas bien, ils ont 0%. Mais on n'en est pas là. Hein. Et donc ce montant est déterminé par un arrêté interministériel. Hein. Alors, afin qu'il ne représente pas une part disproportionnée, il est plafonné par rapport au plafond de l'IFSE. Donc, vous prenez pour la catégorie A, il est limité à 15% du plafond, pour la catégorie B à 12%, et pour la catégorie C à 10%. Donc, le CIA fait l'objet d'un versement annuel en 1 ou 2 fractions. Il n'est pas automatiquement reconductible, évidemment, puisqu'il est variable, mais il peut s'annuler.
Donc ça ne veut pas dire que si on l'a eu en 2018, on l'aura en 2019. Ça va dépendre aussi de, donc, des entretiens de progrès qui sont faits avec l'agent, du bilan qui est fait. Et il dépend de l'évaluation, professionnelle. Donc ça, on le met en place, dès le 1er janvier 2018. Il rentrera vraiment en vigueur, comme s'il y a, pour 2019, puisqu'on réfléchira sur les entretiens faits en 2018 pour éventuellement l'ajuster sur 2019. Voilà. Donc la mise en place est au 1er janvier 2018. Voilà, donc toutes les communes, non, mais des communes, bah, on est passé à la communauté, ils étaient ensemble faits. La communauté, par exemple, ils ont décidé de passer tout de suite en IFSE et ils réfléchissent une année supplémentaire sur le CIA. Mais l'objectif n'est pas le même parce qu'apparemment, eux, ils rajoutent de l'argent. Nous, le fait, c'est une opération blanche au niveau masse salariale. Voilà. Parfait, si vous avez tout compris, vous êtes fort, hein, parce que moi, la première fois qu'il m'a présenté, j'ai fait ça, il a l'air vachement intelligent, mais voilà. Je dis que tu as encore progressé dans la pédagogie, parce que la première fois que vous avez ici, merci Catherine de le dire, on a été courtois avec M. Mamassari, on n'avait absolument rien compris. Voilà. Nous faisons confiance, donc, pour le reste. Plus sérieusement, y a-t-il des questions donc, concernant la présentation de M. Mamassari? Vous avez la parole, cher collègue. C'est qui ? Alors, pour vérifier si j'ai bien compris. Actuellement, on peut considérer que les agents touchent tous la CIA, c'est ça ? Oui, ils la touchent. Même si ça ne s'appelle pas comme ça. Non, ça ne s'appelle pas comme ça, mais en fin de compte, il la touche par la prime du mois de juin, qui est versée, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on peut l'appeler prime vacances, si vous voulez, et par une prime d'habillement. Donc, tous les agents bénéficient de la prime d'habillement, puisqu'il y en a qui sont habillés par la commune, puisque les services techniques, la police, et. Mais on a décidé en fait de les rendre à tout le monde. Donc, restauration. La restauration, la cuisine. Donc, pour uniformiser, on l'a étendue à tout le monde. Mais ça, c'est assez, assez mineur pour le monde. Puisqu'elle est de 58 euros par jour. Donc, ça ne changera pas. Par contre, rien ne change. Pour l'agent, il ne perdra pas un euro. En fait, ce qui changera, c'est au-delà des mesures nationales sur le point d'indice, c'est la capacité, si la ville retrouve des couleurs, un jour, d'augmenter la part variable qui sera elle-même adossée à la qualité du service rendu. Quoi. Donc, dans une commune comme la nôtre, j'ai la faiblesse de dire qu'on est plus proche de 99% sans se payer de mots sur la qualité du service. Après, il y a un petit pourcent qu'il faut guetter, mais il faut dire aussi, pour ceux qui n'auront pas exécuter comme il se doit, je dirais, le service qui leur est attendu, enfin, qui est attendu d'eux, ben, ils ne toucheront pas la prime. Voilà, parce que il faut aussi récompenser ceux qui s'engagent, sont sérieux et font le boulot, quoi, pour dire quelque chose. Alors, sachant que la prime, donc là, elle est de 205 euros, le minimum pour la catégorie C, le CIA aurait pu être porté à 1200 euros. Donc là, l'impact est quand même différent, puisque là, on est entre 0 et 100% sur 1200 euros. C'est pas la même chose entre, que sur 1200 euros que sur 200 euros. Et peut-être que, justement, vu les finances de la commune, peut-être qu'on va alimenter un petit peu, parce que ça sert aussi à valoriser la personne qui a des satisfactions, bah, effectivement, il touchera côté privé des choses. Non, je ne sais pas si c'est le côté privé, c'est que, je dirais, c'est l'universalité. Dans le bon sens. Voilà, absolument, de la, je dirais, des primes qu'on doit pouvoir accorder à des collaborateurs vertueux, voilà, je trouve ça simple. C'est faible encore pour nous, mais ça je dis, j'espère qu'on retrouvera une capacité à augmenter le pouvoir d'achat de nos collaborateurs. Enfin, c'est quand même, chacun le sait, c'est quand même pas des gros salaires. Et après, bien sûr, il y a une distinction selon la catégorie à laquelle voilà, vous appartenez. Quoi. J'aurais souligné quand même que, et ça me permet de sincèrement d'adresser des compliments à Anselme, il en a l'habitude, mais parce que je titille en disant c'est clair, ça a l'air tout bête, mais. Ça a été un travail énorme et je voudrais aussi, Mme la directrice générale et à travers vous, vous remercier chaleureusement depuis le conseil la direction des ressources humaines parce que c'est aussi un gros travail d'abord de compréhension, c'est un peu bête, ensuite je dirais de partage, donc il y a un gros travail de pédagogie qui va être fait maintenant en direction des services et de souligner que les représentants du personnel qui ont été réunis il y a 3 semaines environ, c'est cela, ont adopté à l'unanimité ce nouveau régime, ce qui est un gage de confiance.
à l'endroit de la direction de cette maison et des élus qui s'occupent des ressources humaines. Voilà, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair, je trouve, en tout cas pour les agents, et qui reposera désormais sur les critères qui seront opposables, au sens où chaque chef de service aura à se prononcer sur le niveau de montant de la prime, et il faudra vérifier, bien sûr, que les seuls critères retenus sont bien sûr des critères professionnels. Voilà, hein, chacun comprendra, ça peut nous arriver dans la vie ou nous-mêmes être quelquefois les responsables de mauvaise manière. Y a-t-il des questions concernant le RIFSEP? On dirait une chanson anglo-saxonne. Eh bien, je vais au voir. Y a-t-il des voix? Je crois que nous serons les premiers dans la globe à l'adopter. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Nous vous remercions. Monsieur Gastrin, vous avez la parole pour nous présenter donc la convention concernant les termes de l'organisation de la billetterie entre quelques villes et la communauté d'agglomération. Oui. Alors, c'est quelques villes, c'est 5 villes. C'est Le Mans, Malin, Volcanique, Tamari et Saint-Pergeau. Ils seront impactés par cette nouvelle convention que vous demandons de délivrer avec vous ce soir. En fait, nous avions une convention justement signée depuis 2006, avec la communauté d'agglomération qui avait la compétence de la gestion de la billetterie informatisée sur l'agglomération. Donc, nous sommes arrivés à un point où cette organisation-là devient obsolète. Et donc, il y a une proposition de changement pour un nouveau système qui s'appellera Digitic System, qui est un système lié avec le web, qui nous permettra d'avoir une gestion plus fine, plus efficace, voilà, et plus coordonnée entre les cinq partenaires et la communauté d'agglomération. Je vous passe... peut-être en parler un petit peu, comment cette convention, comment elle est ficelée, ou... Bon, ça va, oui, un petit peu, ça serait bien, faire un peu de pédagogie, c'est bien. Donc voilà, donc cette convention-là est d'un montant d'un coût de 13 000 euros TTC, qui va être pris en compte par la communauté d'agglo à hauteur de 7 000 euros, et ensuite réparti sur les 5 communes, pour donc 1127 euros voilà, sur l'utilisation de ce système. Ensuite, on peut dire que avec ce nouveau système, il y aura aussi des formations qui vont être faites par vos agents, et toute la gestion informatique et la maintenance informatique va être faite par la communauté d'agglomération. Voilà. Donc la mise en place va être faite là, pour la saison 17-18 jusqu'en juillet 18. C'est la communauté d'agglomération qui prend en charge tout l'investissement donc, de ce système. Et quand ce système sera renouvelé, ça sera à la charge de la commune. Voilà. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération. Alors, si c'est une demande, on résisterait à cette invitation. Merci, monsieur Gastrin. Vous l'avez mieux présenté que moi lundi soir à la communauté d'Aglo, hein, parce que je l'ai présenté. Alors, c'est un peu plus sec, hein, quand même. Donc, la prochaine fois, je vous demanderai le. J'ai fait très bref, mais c'était une séance un peu longue, hein, chers collègues. Voilà. Et en fait, le meilleur moyen que ça soit voté à l'unanimité, vous faites ça en moins de 15 secondes, ça les suit et ils votent, et j'ai fait 100%. Quand même, voilà. Ce qui était pas mal, donc ce soir, à la fin. Si vous faites la même chose, chambonnie. Voilà. Moi, j'ai juste une petite inquiétude sur la gestion informatique. J'espère qu'elle va être. Non, parce que oui, c'est plus global au sein de la communauté d'agglomération. Il y a quelques difficultés, en effet, de ressources humaines et de prestataires, mais bon, dans le cas d'espèce, comme c'est, comme on dit, full web. Exactement. Voilà, donc on est moins, assujetti, je dirais, à des prestations, puisque tout ça
fonctionne pour l'usager comme pour je dirais l'administrateur sur un système qui est autonome. Quoi. Voilà. Il suffit d'avoir une connexion internet et puis voilà, travailler en autonomie. Voilà. Alors, y a-t-il des questions devant cette belle présentation, de cette belle délibération, de cette belle politique culturelle menée par la communauté? Il n'y en a pas, donc je vais vous voir. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Bravo, M. Gastrin, c'est 100%. Je vous félicite. C'est pas que M. Reyes qui ne fait pas 100%. Alors, un moment agréable, puisque M. Chalot est excusé, vous savez, c'est des traditions. Sur une proposition de ce dernier, qu'à l'occasion de la cérémonie des vœux de Volpelli, la plus célèbre de France, qui aura lieu donc le 21 janvier, si je ne m'abuse, c'est 25. Le 20 janvier, donc déjà ça commence bien, donc le 21 n'est rien, c'est bien le 20 janvier à partir de 16h, nous remettrons comme chaque année donc, les médailles de la ville au titre de la promotion 2016-2017. Donc l'objet de cette délibération, c'est de donc adopter. La liste qui vous est soumise, dans vos pochettes, vous avez vu qu'il y avait une légère modification car M. Denis Vides, qui prétendait au bronze, a tout de suite passé dans la case argent. Donc pour les médailles de bronze, nous avons 8 personnes, Mme Barnier de Fermilaïque, M. Sismus de Fouillapen, M. Lefaille, président de gymnastique rythmique, donc 7 en fait, hein, M. Jean-Louis Fouchy pour loisirs et solidarité des retraités, M. Broyard pour l'association Cerf-Volant, M. Georges Ballot pour les Marins de la Noue et M. Roquet pour le club de judo. Donc ça, c'est la catégorie bronze. Ensuite, il y a mieux, c'est l'argent, on s'en rapproche. Donc, je l'ai évoqué, M. Vives, donc ils sont 6, M. et Mme Sayag, les inséparables, Mme Durand pour le yoga, les deux précédents étaient pour l'association de la ferme des Jeux. Ensuite, Madame Olieski et Monsieur Billard, pour comme vous du nage pour le dernier, et pour la chorale chanterelle pour Madame Olieski. Enfin, la crème de la crème, la médaille d'or, celle dont vous rêvez tous, que vous aurez peut-être un jour, si vous êtes sympathique avec le maire et monsieur et le délégué à la vie associative, ou alors si vous faites un don à la ville à Monsieur Manassari, c'est la médaille d'or, ils sont 4 impétrants cette année. Donc, avec un cas particulier que j'évoquerai, mais en tout cas au titre de la vie associative, il y a M. Henri Petit, la FNACA, voilà, qui se verra remettre en grand honneur une médaille d'or. Le journaliste le plus célèbre de tout le Sud-Seine-et-Marne, qui l'attendait depuis maintenant 19 ans, M. Bernard Rupp, au titre du comité des fêtes. Et enfin, avec le même générosité et bonheur, Mme Isabelle Bécard, au titre de son indéfectible investissement dans l'association des donneurs de soins. Et votre serviteur a pris l'initiative cette année, c'est d'accorder de manière un peu exceptionnelle. Vous savez que j'assiste à chaque cérémonie des vœux, c'est d'accorder à la commissaire divisionnaire de la police nationale, Madame Natacha Mérien, la médaille d'or de la ville, je dirais, pour les immenses services qu'elle a rendus jusque-là, puisqu'elle a été récemment promue. Elle ne sera plus donc notre commissaire divisionnaire, elle a été remplacée mardi, c'est Vincent Martial, on ne va pas encore rencontrer le nouveau divisionnaire. Mais Mme Mérien est promue à l'état-major. Voilà. Donc, je me suis permis de l'inviter à déjeuner sur mes fonds propres la semaine dernière. Et nous lui remettrons cette médaille avec grand bonheur, parce que je le dis ici, Martial Le Cellu, quiconque. Elle a été dans les moments difficiles, enfin surtout difficiles, aux côtés de la ville de Volpelli. Voilà. Y a-t-il des gens qui voudraient être sur cette liste? On leur a un jour, M. Pracola, vous verrez, ceux qui nous succéderont diront allez, on va leur donner une petite médaille à ces conseillers municipaux. Hein. Peut-être que certains autour de la table seront là pour s'en souvenir. Donc je mets au voie si il n'y a pas de commentaires ou de propositions. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité. Merci pour vous et soyez-là le 20 janvier à 16h. Il appartient aussi de délibérer afin de rapporter sur une. Ultime délibération concernant la constitution des commissions et comités consultatifs de la communauté d'agglomération. Vous savez que lorsque le conseil municipal a été installé, nous avons donc adopté une délibération fixant la représentativité de notre commune au sein d'un certain nombre de commissions thématiques de la communauté, qui se réunissent de manière inégale, il y a les bons et les moins bons, mais deux raisons nous conduisent aujourd'hui à délibérer. La première, dans un cas où nous avons deux
de nos collègues qui ne sont plus membres du conseil municipal, je pense bien sûr à M. Laurent Robert et Mme Françoise Ford, et ensuite la communauté d'agglomération avec son élargissement géographique compte désormais beaucoup plus d'élus et a souhaité rationaliser le nombre de commissions et le nombre d'élus. Donc je sais que certains collègues ici, j'en suis désolé, mais j'ai fait cette proposition, et bien perdent la capacité d'être présents lors de ces commissions. Donc elles sont au nombre de 6 et bien sûr, comme le fixe la loi, elles comportent bien sûr une représentativité de l'opposition municipale qui chaque fois est présente dans les commissions à la communauté d'agglomération. Donc voilà, développement économique et aménagement du territoire, tourisme, enseignement supérieur, il vous est proposé Mme Berkane-Jolani, M. Tafourou, Mme Nieck et M. Pratola. Pour le comité assainissement et déchets, M. Tafourou, Van Svenbroek, Jacob et Bordeaux. Pour l'aménagement du territoire et le développement durable, M. Masson, Mme Grimacos, M. Herbillard et Mme Chélan. Pour le comité Habitat et gens du voyage, où notre poids n'est plus cher collègue, à contester. Et donc, on prend les mêmes puisque ce sont les meilleurs, Mme Moreau, Mme Rouchon, Mme Nieck et M. Pratola, voilà, qui nous aident dans ce combat. Mobilité et liaison douce, Mme Nieck, M. Masson, M. Herbillard et Mme Baranès. Enfin, le comité politique de la ville et insertion pour l'emploi, Madame Rouchon, M. Gastrin, M. Devob et M. Bordeaux. Voilà. Donc ça fait quelques soirées, hein, je cite tout ça, mais c'est un peu de travail quand même. Hein, et qui compte, puisque je m'enorgueille de dire que la ville de Vaud-Bénir est celle qui est la plus assidue à l'ensemble des commissions, et ça nous est reconnu. Voilà. J'ai la bêtise, hein. Et on est même sur et au conseil communautaire, même quand le maire n'est pas là. Bien. Donc, continue dans cette voie, c'est ce qui fait la réputation de tous les élus de votre pays. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Nous avons donc achevé l'ordre du jour. J'ai quelques remerciements à vous faire partager, puisque même si sont adressées au maire, elles s'adressent bien évidemment au conseil municipal. D'abord un message manuscrit très sympathique de la proviseure du lycée Simone Signoret. Quand je vois le logo de Simone Signoret, je me dis, mon Dieu, comme cette femme était charmante. Donc, monsieur le maire, l'équipe pédagogique d'éducation physique et sportive et moi-même, nous vous adressons tous nos remerciements pour la réhabilitation, donc petite dédicace pour M. Tafourou et nos ministres des Sports, sur la réhabilitation de l'éclairage du gymnase Gessler. C'est terminé, donc, M. Tafourou. Voilà, mise en conformité et moins cher. Un mot très gentil aussi de Mme Artignan, qui vous dit merci à vous et à toute l'équipe pour cette très agréable divertissement de journée du cirque, et ce qui intervenait aussi de donner une deuxième dédicace à Mme Neck, qui avait oublié de m'inviter au cirque. C'est pas très sympa. Enfin, je ne citerai pas, mais une maman que nous avions avec ses enfants hébergés en situation dite d'urgence et qui nous a fait un mot fort bien écrit, elle a dû, à mon avis, s'y prendre à trois fois. Je la connais un tout petit peu, c'est d'autant plus touchant. Voilà, je remercie la ville d'avoir été à ses côtés, ainsi que Mme Zaid, lorsqu'elle avait besoin de ce soutien discret et sous l'amicale pression de Mme Moreau, voilà, qui parmi d'autres a toujours soutenu. Si je peux me permettre, que ce lien, y compris aussi pour le service logement. Oui, pardon. C'est beaucoup, beaucoup investi aussi par rapport à cette personne. Oui, merci d'avoir précisé Mme Moreau. Et enfin, un petit mot sympathique d'un ministre célèbre qui s'appelle M. Gérard Collomb, qui, bien sûr, comme je vous le disais, nous attribue une subvention exceptionnelle de 25 000 euros pour la réhabilitation des vestiaires du stade de la Mare-aux-Champs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois que je vous ai tout dit. Y a-t-il au sein du Conseil des questions ou des points divers? Vous avez la parole, Monsieur Pratola. Il a été relevé des accidents d'un bus à l'agglomération, notamment à Vaud-Bénir. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Il faut, Monsieur Pratola, par un souci de démocratie, est-ce que vous pouvez, parce que j'ai peur que ça ne soit pas enregistré sur TF1, est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu plus fort, parce que ce que vous dites est important et je ne voudrais pas
que nos concitoyens qui nous regardent de New York à Los Angeles n'entendent pas ce que vous avez à nous dire. Ce qui me permet de réfléchir à la réponse. Je n'en doutais pas. Il y a eu malheureusement un accident sur les transports dans l'agglomération, et notamment donc, à Volpelline, au Clos Saint-Martin, rue des Trois Rodes. Donc nous aurions voulu en savoir un petit peu plus sur l'avancée. Aujourd'hui, les transports ont été bloqués. Nombre d'usagers, de clients de ces lignes, de toutes les lignes de l'agglomération sont rentrés à pied aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais m'en tenir aux faits, strictement aux faits, parce que l'enquête est en cours, et je m'interdirai toute interprétation, même si j'ai ma petite idée. Les faits sont simples, c'est que je crois qu'il devait être un peu plus de 22h30 lorsqu'un bus... Pardon ? 22h. Voilà, et heureusement que j'ai un super adjoint à la sécurité qui connaît la minute près ce qui se passe. Merci Martial. Donc un bus qui roulait à vide en provenance du rond-point d'Avissonnière pour... Et ça, c'est une première source d'interrogation, parce que c'est un peu étonnant, mais je pense que c'est parce qu'il avait été déjà détourné par des individus au rond-point de l'entrée de la Buissonnière, qui, lorsqu'il est arrivé au niveau, je dirais, de l'école et d'atoll, il y avait un attroupement qui avait été identifié préalablement, puisque tout ça a été filmé et communiqué à la police nationale. Donc une vingtaine de jeunes ont en fait pris les barrières Vauban, les ont mis sur la route, ont mis le feu à une poubelle et ensuite ont caillassé le bus qui, fort heureusement, le chauffeur s'en est bien sorti. Et je le dis ici, la police était 9 minutes plus tard présente, ainsi que les pompiers, pour juguler ce mouvement d'humeur. Je m'en tiendrai au seul fait, je prends l'engagement devant le conseil municipal parce que une enquête est diligentée, elle peut être liée à d'autres événements. Et je ne veux pas à ce stade me permettre d'aller au-delà de ce qui est simplement factuel, sans compter qu'il y a eu aussi quelques habitants qui quelquefois sont courageux et qui ont été caillassés par ces certains jeunes. Les images parleront, tout comme les témoignages parleront. Mon grand regret, mais c'est le droit des chauffeurs, ils vont faire valoir leur droit de retrait. Je pense que demain tout rentrera dans l'ordre. Mais j'ai bon espoir que ceux qui ont été, qui sont à l'origine, quelque pénibles que soient, mais pas seulement de ces faits graves, très très graves, c'est pas la première fois que ça arrive de temps en temps à Volpelline, c'est monté de lait. Ce n'est pas de mauvais humour, parce que c'est souvent des gens très très jeunes qui commettent ça. On a des petits problèmes avec 3-4, là on est plus enregistré aussi, donc c'est pas grave, j'assume mes mots, merdeux. Je pense qu'ils font la loi Volpelline, ils ne la font pas. Voilà. Mais il y a deux sujets en même temps, hein, M. Proto, là. Donc, on est au fait, mais hein, Martial, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Et sachez en revanche que dès le lendemain matin, nous avons avec et nos collaborateurs, des amis, fait passer des messages. Et hier soir, la situation était redevenue calme. Et je pense aussi, je pense au service jeunesse hein, qui nous, à travers son élu, fait ce qu'elle a à faire en termes de prévention et de messages qui sont passés avec quelques de jeunes plus adultes qui sont un peu plus raisonnés et raisonnables. Voilà. Mais ce qui s'est passé est grave, mais l'intervention a été efficace. Voilà. Les voitures qui étaient là sont identifiées, pour dire les choses. Et les images parleront. Pas de surprise pour moi par rapport à certains présents. Voilà. Et demain, j'espère que le bus fonctionnera. Parce que hier, mon fils est aussi rentré à pied. Ça lui a fait les pieds, vous n'irez pas se voir et comprendre combien c'est bien le service public quand il est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sein du conseil municipal ? Monsieur Massonger. On avait connu un incident analogue courant novembre. On n'a pas réussi à arrêter les fauteurs de trou. Eh bien, je ne dirai pas ça, M. Masson. Il y a ce qui se sait et ce qui se fait. Voilà. Pardon hein, de. Oui. Non, mais je peux vous dire ce qui m'a été donné. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pas tous, mais certains, oui. Voilà. Désolé. Non, parce que je veux dire, il n'y a pas toujours une grande publicité. Ce n'est pas, pas la une des assises, quoi. Donc, mais rassurez-vous. Je parle de ma rappelette. Et je parle, je connais bien ma ville, Saint-Calendrier,
et ce qui se passe. Je veux que c'est d'autres événements, d'autres lieux, dans notre ville qui concernent des bûches ou des acacias, ou qui pas. Ah, vous savez pas celui-là. Hein. Les acacias, il a fallu arrêter une fois un bus parce qu'il y avait un chauffeur qui pensait que sa musique était celle des usagers, voilà, qui conduisait un peu vite et qui a été arrêté, enfin voilà, on lui a dit d'arrêter, il descend de son bus, voilà. Oui. Donc, mais ça, on ne fait pas de grande publicité parce que, voilà, on se nourrit de faits divers, hein, quelque part dans ce pays. Ce qui compte, c'est les solutions qu'on apporte et la mise en sécurité des gens. Voilà. Et j'ai demandé à Marianne Tocquenet de m'organiser aussi un rendez-vous avec le chauffeur pour prendre de ses nouvelles quand même, parce que je pense qu'il y avait aussi la peur de sa vie. Hein. Voilà. Bien, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions. Pardon. Ah, si, monsieur Pratola. On avait pris un engagement à l'endroit de votre collègue lors du dernier conseil municipal de lui poser une question très sérieuse concernant le prix des vaccins. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, nous avons la réponse. Monsieur Mamassa. Oui, donc ça concernait la tarification 2018 du service de médecine du centre de gestion. Hein. Donc, Mme Chélan était un peu émue parce que on avait un vaccin par injection qui était donc diphtérie, tétanos et polio, il est à 9,18€. Et diphtérie, tétanos, polio plus coqueluche, il est à 24,13€. Donc, ça s'interrogeait si le produit est dedans. Je confirme, effectivement, dans l'injection, il y a le produit. Hein. Bon, pourquoi il passe de 9 à 24? Ça veut probablement que le tarif de la coqueluche doit être beaucoup plus cher. Dans l'île de la coqueluche, il doit être plus performant. Alors, on a profité pour regarder un petit peu, parce que je crois qu'il avait été dit aussi que le 90€, c'était le tarif de l'examen médical, était élevé. Donc on a fait une comparaison par rapport à l'année dernière, qui était l'entreprise Corelex qui gérait la médecine. Le prix moyen d'une visite était de 103€. Et l'année dernière, avec Corelex, nous avons dépensé 28 900€ et les prévisions 2018 avec le centre de gestion seront à 22 010€. Voilà. La question avait été posée par une autre collègue, on a pris ça au sérieux. Donc, diligenter une enquête, provoquer un séminaire, mettre un note, voilà. Mais au moins, nous avons réponse à la question qui nous avait été posée. Donc, la séance est levée, comme c'est.